Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'habitant. Alors, il y a un petit truc un peu spécial qui va se passer cette semaine-ci, c'est que je vais sortir ma vidéo d'aujourd'hui. Mais je vais aussi vous sortir une vidéo bonus. Parce qu'en fait, je l'ai filmée avant cette vidéo-ci. Sauf que le son était juste horrible. Sur Instagram, je vous ai laissé le choix de voir si vous préfériez quand même que je poste la vidéo même si le son était horrible. Ou bien si vous préférez que je la poste pas du tout. Et donc pour faire un peu un compromis entre les deux, je vous sors une chasse normale qui j'espère sera mieux niveau qualité du son. Et une vidéo sûrement mercredi. Et donc ici, j'ai pas vraiment de wishlist. On va partir avec 50 tickets pour commencer. J'espère que ce sera bien. Et du coup, j'espère qu'on trouvera quelqu'un de sympathique. Je vais y aller un peu au coup de cœur, mais quand même, j'essaierai d'avoir une chouette maison. Alors, oh. Allez, on s'en va. Le but ultime de cette chasse, si, c'est ma gogo. En plus, il me faut absolument ma gogo. Et si je le trouve pas en chasse, je le prendrai en amiibo. Enfin, je ferai son amiibo moi-même, du coup. Parce qu'il me faut absolument une maison de plage, en fait. J'ai prévu de mettre un habitant sur une plage. Et la maison de ma gogo, elle irait parfaitement. C'est vraiment le goal ultime de cette chasse. Mais sinon, j'aime bien les singes, les chats, les chiens. Enfin, les habitants qui sont pas trop grands. Et absolument pas un poulpe, s'il vous plaît. D'ailleurs, ici, je suis en train de filmer avec un nouveau système d'enregistrement. Et j'aimerais savoir si vous trouvez que la qualité est meilleure. Niveau son, niveau tout. Le montage, je le ferai sur le même logiciel, mais niveau enregistrement, je veux dire, est-ce que vous trouvez que c'est mieux que d'habitude? Ou est-ce que vous ne voyez pas de différence? Parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bon, évidemment, il ne faut pas comparer avec la vidéo qui sortira plus tard dans la semaine. Parce que cette vidéo-là était vraiment catastrophique. Mais c'est horrible parce que la vidéo me tient tellement à cœur. Enfin, vous verrez pourquoi. J'ai vraiment adoré la filmer. Je suis vraiment dégoûtée. Ah. C'est pas le bon singe. En soi, la maison de Luna, elle fait quand même vachement plage. Mais à choisir entre elle et ma gogo, il n'y a pas photo. Je vais retrouver mon petit ma gogo. Il irait bien avec Graham à cause de ses lunettes. Parce que oui, j'ai eu Graham en chasse à l'habitant, mais je l'avais pas mise sur YouTube. J'avais juste fait en post Instagram, enfin en story Instagram. Mais ils ont le même genre de lunettes. Dans tous les cas, c'est un nom. Alors... Pourquoi ils me donnent du vert encore? Oh! Couche-pif! J'hésite beaucoup. Oh là là, j'hésite à mort, c'est affreux. Parce que sa maison, elle est très foncée. Mais je me dis que ça pourrait aller. Hein. Ah mais en plus, sa maison c'est le même type que Jojo. Du coup je pense que je vais le prendre. La chasse aura été très courte, 6 tickets. Mais bon. Il est trop mignon. Mais en plus en ce moment, j'essaye d'arrêter de prévoir qui je vais prendre, etc. Alors oui, je voulais vraiment ma gogo. Mais ici, je suis pas à l'abri d'un coup de cœur. Quoi. Ici, je m'attendais vraiment pas à repartir avec Rouge Pif. Mais en fait, j'ai envie de rejouer comme au début du jeu. Ah, vous savez, quand on prenait vraiment le premier habitant qui
passait sur une île parce que juste il était mignon et puis sans réfléchir à est-ce que sa maison ira vraiment bien. Enfin, je me rappelle, c'était une chasse il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. J'avais fait une chasse où j'avais fait un tableau, dire niveau maison, niveau design du personnage. Enfin, je les avais triés pour faire comme une tier liste de l'habitant que je voulais absolument. J'essaye de rejouer comme au début du jeu, vraiment sans me prendre la tête. Et essayer de profiter, quoi. Dire je veux le prendre lui, bah, je le prends lui. Si sa maison, ne colle pas à 100%, c'est pas dramatique, quoi. Alors la vidéo est très très courte, mais au final, je suis contente de celui que j'ai pris. Donc, on se retrouve mercredi, je pense, pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui trouveront que le son est trop horrible, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bye!